Nick, Gibbs et McGee arrivent, ils sont dans les embouteillages. J'ai laissé Ziva gagner. Quoi? T'as bien entendu. D'accord. Wow. Ça, c'est pas bon. J'en suis sorti juste à temps. La bonne nouvelle, c'est que le crayon que vous avez pris chez la vieille dame ne correspond pas à celui utilisé pour écrire la menace de mort. Et concernant la bombe ? On bascule dans l'étrange. Parce que d'après ce qui reste de la voiture, je vous assure qu'il ne s'agit pas du tout d'une bombe. Du moins, pas la classique, on tourne la clé et pas une bombe de ce genre-là. Alors, qu'est-ce que c'était ? Plutôt du genre, balance ton cocktail Molotov et sauve-toi. Des débris de bouteilles et de l'essence indiquent qu'on l'a probablement jeté sous la voiture. Du bricolage. Peut-être, mais les versions bricolées sont parfois plus terrifiantes, comme les prochaines deux. Autre chose, Cassie ? J'attends que le spectromètre de masse finisse de digérer les morceaux de nain, j'aurai bientôt du nouveau. À plus tard. Salut. À plus. Besoin de quelque chose, Jack ? Non, besoin de rien. Je passe juste voir si je peux vous aider en quoi que ce soit pour cette affaire. Je crois que vous en avez assez fait. Encore une fois, toi aussi, McGee. J'ai strictement rien dit. Tu peux parler, Ellie. Quoi ? Excuse-moi ? Stop. J'ai laissé Ziva gagner. J'ai dit stop. Vous n'avez pas entendu, Cassie ? Cocktail Molotov, bombe artisanale. Continuez de creuser. Allez. Taki. Oui, Jethro. J'ai effectué des recherches de mon côté. J'ai entré les noms de tous les locataires dans les bases de données de plusieurs agences. Tu as trouvé quelque chose ? Oui, Jethro. Un dossier classifié au FBI. Ce dossier porte sur qui ?